Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG, édition un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je suis sur le plateau d'Anonymal au cœur du parc Gilbert Villers, puisque nos équipes étaient mobilisées du 15 au 23 juillet pour couvrir les festivals Zigzag et Début d'été. Nous commençons donc ce MAG par la 24e édition du Zigzag Festival. Cet événement proposait 17 concerts gratuits, accessibles à tous et en plein air. En plus de ces concerts, des buvettes et des stands de boissons étaient sur place pour proposer un tour du monde à la fois musical et gustatif aux festivaliers. De la région, tels que Pose, Nero, Neurotic Strangers, Volt ou encore Ozoba. Passons maintenant à Début d'été, un événement axé sur l'expression corporelle à travers la danse, le théâtre et la poésie musicale. En partenariat avec le Théâtre du Bois de l'Aune, les artistes ont donc investi le Théâtre de Verdure ici à Jas de Bouffan et ont proposé des représentations gratuites et en plein air. Notre entretien avec Patrick Ranchin, directeur du Théâtre du Bois de l'Aune, est à retrouver sur notre page Facebook également. Quand le Bois de l'Aune a démarré, on faisait beaucoup d'itinérances dans les communes, c'est-à-dire on allait présenter des spectacles dans les communes du Pays d'Aix. Là, un temps fort, c'est encore autre chose, parce que c'est un festival et c'est un peu comme habiter un théâtre, ce qui est une autre complexité. On fait une programmation qui ressemble, qui nous ressemble. Et donc tous les gens qui sont là, finalement, ce n'est pas les spectacles qui sont là, ce sont des personnes. Je ne fais pas une programmation de spectacle, que ce soit dans le théâtre ou que ce soit dans le début d'été. Je fais une programmation de démarche artistique. Anne Nguyen, qui est vraiment... l'histoire du hip-hop et de la battle, elle vient de la battle. C'est quelqu'un, j'ai des liens avec qui depuis 2012, qui a ouvert le Théâtre du Bois de l'Aune. Charles Berling, c'est quelqu'un avec qui j'ai des liens de travail. Donc tous sont là parce qu'il y a des affinités. Donc l'idée, c'est de trouver des lieux dans le parc où on fait comme ça 4-5 domaines. Donc on en fait un autour de l'étang, où c'est plutôt une écriture avec des habitants et avec des formes poétiques. Et puis après, on se déplace sur le terrain... En plus de la musique et du théâtre, le parc Villers proposait du live painting. Ainsi, pendant toutes les soirées de festival, des artistes étaient ici et réalisaient des œuvres en direct devant les spectateurs pour le bonheur des plus grands et des petits. Mmh.
Alors moi, je suis issu d'une famille d'artistes, donc j'ai toujours baigné dans les arts de manière très générale. Disons qu'à l'âge de 14 ans, je me suis passionné pour le graffiti. Pas au sens artistique du terme, vraiment le graffiti en tant que pratique. Vraiment, j'étais un amoureux de la culture hip-hop. C'est une culture dans laquelle je me suis retrouvé très très jeune. Donc j'ai pratiqué pendant 5-6 ans le graffiti de manière vandale, on va dire, comme les graffitis classiques que vous voyez sur les autoroutes ou sur le pas de votre porte, par exemple. Et finalement, c'est des années plus tard que j'ai commencé à envisager une pratique artistique. Et en fait, c'est tout simplement en rentrant en école d'art. Ça m'a permis un peu de faire le pont entre justement cette culture du graffiti avec les arts classiques. Et c'est quelque chose que j'ai toujours continué à développer en fait à travers mon travail. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les communes de France ont leur festival de graffiti, toutes les galeries, tous les musées, l'histoire de l'art s'intéresse vraiment à ça. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours été dans cette volonté de promouvoir cette pratique et d'en faire un art justement. Merci à tous d'avoir suivi ce mag, à bientôt et bon été.